Le temps des fêtes arrive à grands pas. Alors que la dernière année et demie a été une épreuve pour nous tous, prenons le temps de nous reposer, de passer de beaux moments en famille et de faire preuve de générosité et de charité au sein de nos communautés. La prochaine année sera déterminante pour nos droits linguistiques. Deux de nos lois phares, soit la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et celle du Canada, seront révisées ou modernisées au cours de la prochaine année. La SNB aura donc besoin de vous, chers citoyens et citoyennes, pour s'assurer que nos élus à Fredericton et à Ottawa entendent haut et fort les aspirations de notre fière nation acadienne. Personnellement, ma résolution pour cette année serait de poursuivre avec encore plus d'enthousiasme notre lutte collective. Pour moi, il est essentiel que les Acadiennes et les Acadiens de la province reçoivent le respect et la dignité qu'ils et elles méritent de notre gouvernement provincial et fédéral. À cet égard, il nous reste encore beaucoup de progrès à faire et nous devrons tous et toutes nous serrer les coudes pour y arriver. Profitons donc de la saison pour reprendre nos forces. Sur ce, je vous souhaite de la paix, de l'amour et de la bonne santé en ce temps des fêtes, ainsi qu'une bonne et heureuse année à tous et à toutes. Merci beaucoup et on se revoit en 2022.